Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des Samos, les nouvelles sandales de chez Panta Sandal. On se retrouve juste après l'intro. Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, hier il faisait beau. Ce matin ça a été la catastrophe. En fait on s'est pris la dépression tropicale Fred ici à Miami. Bon, j'ai quand même pu sortir, faire une petite course de 10 km pour pouvoir tester en fait mes nouvelles sandales. Les sandales de chez Panta Sandal, les Samos. Alors que valent-elles ? Eh bien déjà, elles valent 79€, donc ça c'est plutôt bien comparé aux Luna Sandals qui sont beaucoup plus chères d'habitude que j'achète aux US. Celles-ci, là, les Panta Sandals, sont fabriquées directement aux Pays-Bas. Alors c'est une petite entreprise, hein. Ils sont seulement deux à les faire, c'est encore artisanal. Ça marche plutôt bien, hein. Je l'ai testé. J'étais très surpris en fait par le poids, vraiment par le poids de cette sandale, 74 grammes, hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment rien du tout au pied. Ça court plutôt bien, une super adhérence, hein, toujours une Vibram, une sandale avec une semelle Vibram de 0,6 mm, il me semble bien, et 2 mm après de caoutchouc au-dessus en fait. Donc j'ai eu un peu peur quand je les ai mises parce que très franchement, elles me semblaient vraiment très 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 fines et en fait pas du tout. Elles absorbent tout à fait les chocs, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, petit bémol que j'ai remarqué de suite sur cette sandale, il n'y a pas les straps généralement que j'avais sur les Luna. Donc je vais vous montrer en fait tout simplement, j'ai pris mes anciens straps de chez Luna Sandals et je les ai mis directement sur les Panta. Alors j'ai vu sur leur site, ils les vendent, c'est un accessoire en plus, ça coûte 11€. Bon bah voilà, il faudra que je les achète, hein, ou alors je garde mes straps de chez Luna, mais bon, autant tout avoir de chez Panta Sandal. Alors les Samos, eh bien je vais vous les montrer, on va déballer ensemble le paquet que vous recevez chez vous, d'ailleurs c'est plutôt sympa, vous recevez une enveloppe avec le logo Panta dessus, un Panta Sandal, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous les recevez bien dans votre boîte aux lettres. Allez, on ouvre tout de suite le paquet. Bon, il y a encore beaucoup de vent, hein, ça risque de faire pas mal de bruit. Comme je vous disais, vous recevez un colis de chez Panta Sandals avec le petit insigne dessus et vous recevez dedans ça plié ensemble. Alors, on l'ouvre et dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vous montre, vous avez votre paire de chaussures. Alors, je vous les montre. Hein. Voilà, elles sont plutôt bien. Bon, hein. Elles ont été utilisées ce matin ici à Miami. J'avais un petit a priori là-dessus, vous voyez, la fixation de la sangle ici. Bah là c'est du métal, contrairement à Luna Sandals où c'est du plastique, là c'est du métal, donc j'avais peur que ça fasse un peu trop de bruit. Alors oui, en parlant de bruit, bien sûr au début elles ne sont pas formées à votre pied, elles sont complètement plates, donc au début bien sûr ça va faire flap 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 flap. Bon bah ça, comme à chaque nouvelle chaussure, hein, ça fait toujours ça. Par contre ça va se faire à votre pied assez rapidement. Voilà, vous avez tous ces papiers là et cette petite enveloppe magique. Alors on va commencer d'abord par les papiers et je vous montrerai la petite enveloppe magique juste après. Alors déjà, eh bien vous avez un mot signé, voilà, du fabricant, donc ça c'est plutôt sympa. Il me dit salut Stéphane, j'espère plein de bonnes courses dans ces nouvelles sandales, la team Panta. Voilà, donc c'est très sympa pour ça. Vous avez bien sûr, bon bah voilà, un dépliant de chez Panta qui vous explique son histoire. Et aussi, je vais vous montrer la facture, hein, au cas où si vous en avez besoin. Et bien sûr, vous avez un dépliant. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir entièrement, des deux côtés, qui vous explique comment les mettre, comment les chausser. Et aussi, ça c'est plutôt bien, si vous voulez changer la façon dont elle est sanglée, vous pouvez. Vous avez trois différentes solutions de sanglage sur ces sandales, donc ça c'est plutôt bien. Hein, si le sanglage d'usine ne vous plaît pas, à vous de mettre le vôtre.
de faire le vôtre, de trouver le bon qui vous sied bien. Comme je disais, dans cette petite enveloppe qui est assez épaisse, hein, d'ailleurs on peut se demander ce que c'est, j'avais pas du tout fait attention en fait. J'avais été voir sur le site et sur le site en fait il vous présente d'envoyer directement lors de votre prochaine commande des échantillons de leurs sandales. Et en fait elles se trouvent là-dedans, découpées en petits morceaux. Regardez, je les sors et voilà, vous les avez toutes là. Vous avez en fait les différentes textures des sandales. Donc vous l'avez en cuir, vous avez les tout simplement en vibram, en plastique. Vous avez vraiment différentes épaisseurs. Regardez, je vais prendre la plus épaisse à la plus fine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là avec le soleil. Enfin, le soleil. J'espère qu'il va revenir ici parce que hier, vraiment, c'était pas terrible. C'est plutôt bien. J'en ai combien là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 petits échantillons. Donc ça vous permet de vous faire une idée de ce que vous allez pouvoir commander chez eux ou pas. Ils ont pour l'instant 3 modèles de course, hein, 2 modèles de trail, un modèle, moi, les Samos, c'est le modèle asphalte, c'est celui que j'ai pris. Les deux autres modèles, ce sont des modèles de trail. Et vous avez aussi un modèle qui est entre les deux, qui est anti-dérapement pour courir sous la flotte, pour éviter de glisser, parce que généralement avec ces sandales, enfin toutes les sandales généralement, dès que c'est un peu humide, ben voilà, on a un effet d'aquaplaning et on peut glisser assez rapidement vu que c'est du plastique. Et là, ils ont fait un modèle particulier. Donc ben voilà, je vous conseille d'aller voir sur leur site et de voir ce que ça donne. Alors voilà les sandales de plus près. Comme je vous disais, voilà la petite attache en fer ici. Ça a l'air d'être plutôt solide. Hein. On va voir sur le temps, je vous dirai ce que ça donne. Là, vous allez donc voir ici la marque Vibram. Voilà, comme quoi c'est bien une épaisseur de 0,6 mm, et voyez là les deux petits millimètres, et ben c'est seulement pour amortir votre pied. Je sais pas si on peut grossir, si vous voyez un petit peu, mais bon, il n'y a vraiment rien. Au niveau des sangles, et ben j'ai pas eu d'irritation, hein, sont vraiment de bonne qualité. Voilà, comme je vous disais, voilà, j'ai rajouté ces sangles là ici de chez Luna, mais sinon elles arrivent. J'essaie de faire ça à une main. Voilà, sinon elles arrivent comme ça, voilà. Donc à vous d'acheter après les sangles. Bon, ça aurait été sympa, mais je veux dire, ça aurait été plus simple d'avoir tout, quitte à augmenter le prix, de tout avoir dans le paquet directement que de recommander, voilà, de se rendre compte. Bon, après, peut-être tout le monde n'en a pas besoin, mais moi je trouve que pour la stabilité du pied, de remettre un strap là comme ça dedans, c'est plutôt sympa. Bon, et bien voilà, se termine ce test aujourd'hui ici à Miami Beach. Des nouvelles sandales que j'utilise, les Panta Sandals. Alors je vais voir sur le temps ce qu'elles valent, si je reste chez Luna, si j'alterne sur les deux ou si directement je vais chez Panda, ce nouveau fabricant. J'essaierai d'ailleurs d'aller les voir aux Pays-Bas, voir comment ils font. Ça serait plutôt sympa. Alors je vous rappelle le prix, 79 € pour les Samos. Les autres, c'est 89 et 99. Vous avez une version cuir qui est plutôt... Je la prendrai celle-là à voir si ça... Si ça tient dans le temps, le cuir, surtout avec la transpiration. Bon, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, pour de nouvelles aventures à travers le monde. J'ai tourné ici d'ailleurs, je vous le rappelle, si vous voulez aller voir, pour si vous êtes adepte de tapis de course, j'ai fait un 10 km voilà, ce matin ici sur Ocean Drive, Miami Beach. Donc voilà, pour les tapis de course, si vous voulez courir tout simplement sans sortir, et ben, regardez cette vidéo. Voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. On s'en sort un petit peu avec ce sacré virus. Et puis voilà, bon bah portez-vous bien. Salut tchuss, à bientôt.